nous, c'est un moment important dans la vie de notre station. Simplement parce qu'avant, on n'avait pas de locaux dédiés. Donc, on vivait avec un bureau, des affaires plus ou moins dans la voiture ou chez nous, ce qui n'était pas super pratique. Maintenant, on a vraiment des locaux qui vont être dédiés avec, des salles adaptées pour ranger notre matériel, humide ou sec. Voilà, donc ça, c'est quand même un vrai confort. Et puis, dans le confort, on augmente notre efficacité. Ça va nous faciliter la formation, ça va nous faciliter l'accueil d'équipages d'autres stations SNSM qui viennent se faire former aussi ici quand ils viennent recevoir leur nouveau bateau construit chez Coache à côté. Donc voilà, ça va nous une dynamique nouvelle qui se met sur le bassin. On a un centre de formation régional qui se met en place aussi. Voilà, c'est quelque chose qui va aider. On va dire c'est la première pierre d'un nouveau visage de la SNSM locale. C'est super, c'est génial, puisqu'on avait un local qui faisait 15 mètres carrés. Donc, c'était un peu, tout était serré, bien en vrac, parce qu'on a quand même du matériel, parce que la plongée, c'est beaucoup de matériel. On a eu beaucoup aussi de licenciés, donc il fallait aussi pouvoir leur prêter beaucoup de matériel, ce qu'on faisait. Et donc, en fait, le matériel, il fallait bien le mettre quelque part. Après, moi, ce que je voulais aussi, c'était un endroit où on puisse s'habiller, se déshabiller, non pas dehors, comme on faisait auparavant, parce qu'on n'avait vraiment pas la place. Et aussi un endroit où on pouvait aussi se retrouver, pouvoir échanger à l'abri du soleil ou de la pluie.